Charles III et Camilla à Balmoral, qui sont les membres de la famille royale attendue? En vacances au château de Balmoral depuis quelques jours, Charles III et la reine Camilla vont y recevoir leurs proches au cours des 3 prochaines semaines. Mais qui sera invité à les rejoindre en Écosse? La royauté britannique réunie en Écosse? Point. Charles III et la reine Camilla ont posé leurs valises au château de Balmoral pour 3 semaines, et non dans leur résidence adorée de Birkhall comme l'affirme le Daily Mail. Leurs proches devraient, comme le veut la tradition, leur rendre visite incessamment sous peu. Ce mercredi 16 août marquait le dernier jour des visites du domaine. Mais quels sont les membres de la famille royale qui se rendront au célèbre château cet été? Selon divers médias anglais, les monarques devraient, comme la défunte Elizabeth II avant eux, accueillir leurs enfants, le prince William, Kate Middleton, Tom Parker Bowles et Laura Lopez, ainsi que tous leurs petits-enfants. La princesse Charlotte et ses frères, George et Louis, seront très sûrement présents auprès de leurs grands-parents, avec leurs cousins par alliance, pour la première fois. Nul ne sait encore si les neveux et nièces du roi, dont les plus impliqués dans la firme sont actuellement les princesses Béatrice et Eugénie, seront présents. Le prince Harry, Meghan Markle et leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet Diana, eux, ne sont pas attendus au Royaume-Uni. Les frères et la sœur de Charles III à Balmoral pour honorer Elizabeth II? C'est le plus bel endroit sur Terre, avait confié la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson dans un documentaire réalisé à l'occasion des 90 ans de la reine. Mamie est la plus heureuse là-bas, car elle aime vraiment les Highlands. Des promenades, des pique-niques, des chiens, beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens. Et des gens qui entrent et sortent tout le temps, avait-elle aussi déclaré, en soulignant l'aspect familial de la propriété écossaise. En ce mois d'août 2023, la princesse Anne, qui célébrait ses 73 ans ce mardi 15 août, pourrait également rejoindre son frère et sa belle-sœur dans le château de son enfance, où sa mère a rendu son dernier souffle le 8 septembre 2022. Une cérémonie privée en hommage à la souveraine devrait par ailleurs être organisée pour le premier anniversaire de la mort de la reine. Les princes Andrew et Édouard, frères de Charles III, devraient ainsi se rendre en Écosse dans les prochaines semaines.